Bonjour, Monsieur Munger. C'est un privilège d'être ici avec vous. Mon nom est Paul Smith de Boulder, Colorado. Le Daily Journal et Berkshire possèdent un grand nombre de très grandes banques. Je pense que beaucoup de personnes dans cette salle le savent. C'est une sorte de fil conducteur entre vous et Monsieur Buffett. Ma question concerne certaines des technologies fintech à venir. Votre position sur la crypto est très claire, mais moins sur certaines des autres technologies de la fintech. Ma question est, les voyez-vous comme une menace pour la rentabilité à long terme de ces grandes banques? Eh bien, je ne sais pas grand-chose sur les technologies crypto, sauf que je les évite. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de choses dans ce que j'appelle la pile trop difficile. Et si vous entrez dans ma pile trop difficile, je vous jette de cette pile et j'arrête de réfléchir. Maintenant, de temps en temps, j'entreprends quelque chose ou je me lance dans quelque chose de vraiment difficile. Puis je continue à le faire juste parce que je suis pervers. Le Daily Journal était fondamentalement une entreprise ridicule. C'est vraiment difficile. Je suis extrêmement riche. Et j'ai 96 ans, mais je me soucie terriblement de la façon dont les choses se passent. C'est un peu fou. Je me demande pourquoi vous venez ici parler à un cinglé comme moi. Mais non, je déteste les choses comme le Bitcoin. Je déteste les choses qui sont intrinsèquement antisociales. Bien sûr, nous avons besoin de vraies monnaies. Et l'une des choses intéressantes dans la situation actuelle est que nous, les Américains, avons créé la réserve par accident. Elle est devenue la monnaie de réserve du monde. Et le monde a besoin d'une monnaie de réserve. Et je n'ai pas un grand sentiment de confiance envers mes compatriotes américains pour se comporter très bien vis-à-vis de nos responsabilités envers le reste du monde en ce qui concerne notre propre monnaie. Notre attitude actuelle est de faire ce qui nous plaît. Ce n'est pas ce que je ferai. Je pense qu'une fois que vous avez une grande responsabilité envers d'autres personnes qui dépendent de vous, vous devez penser à elles aussi. Cette vidéo est terminée, mettez un pouce en l'air si vous l'avez aimé et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt !